Passionné de voiler de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuLarge, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Alors aujourd'hui je retourne en extérieur comme la semaine dernière. Alors là je suis pas sur mon bateau, je suis chez moi, c'est dans mon jardin. Mais j'avais pas envie de rentrer à l'intérieur, donc en fait je tourne en extérieur. Voilà, c'est simplement pour ça. Donc aujourd'hui dans ActuLarge, dans un premier temps on va parler de la course qualificative au Vendée Globe. On a le parcours, on connaît le parcours maintenant, donc on va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler de la première navigation avec foil de Quorum L'Épargne. On a les photos, j'ai pas vu de vidéo, mais on a des photos. Et c'est plutôt joli à regarder. Dans un troisième temps, on va parler d'un voilier qui n'a pas voulu mourir, d'un voilier qui n'a pas voulu couler. Le trimaran Draken Group, qui a été retrouvé en fait l'année dernière à la dérive à l'envers après une longue dérive sans personne à bord. Voilà le projet qui est actuellement avec ce bateau, donc c'est plutôt cool. Et dans un quatrième temps, on va parler de un vendredi, un skipper du Vendée Globe, la rubrique chaque semaine. Et aujourd'hui, on va parler de Yannick Bestaven, voilà, le skipper de Maître Coq. Et bah du coup, c'est parti. Ce sera comme prévu une boucle au départ et à l'arrivée au large des sables qui servira de course qualificative au Vendée Globe. Mais, jusque-là, on ignora le parcours. Il est maintenant connu, ce sera une course de 3600 milles qui passera par les Açores, puis par un point à 65 degrés de nord, à l'ouest de l'Islande, avant de revenir au sable. Le départ est prévu le 4 juillet. C'est un parcours super intéressant pour les prétendants au Vendée Globe, car il apporte pas mal de contraintes semblables au Vendée Globe, comme les grosses dépressions ou des glaces. Il permettra aussi de voir les bateaux évoluer dans différentes allures et conditions météo. Cela va éprouver et permettre de fiabiliser les bateaux neufs sortis de chantier récemment, comme l'Occitane ou Quorum, et de valider les modifications apportées sur les autres bateaux pendant le chantier d'hiver. La date est très bien choisie, car elle laisse le temps de recaler un chantier avant le Vendée Globe, soit pour améliorer le bateau, soit pour réparer après une avarie qui aurait pu survenir pendant la course. On suivra bien entendu cette course dans ActuLarge. Je ne suis pas assez bon pour voir sur une photo des petites différences entre les foils. En tout cas, il semble assez arrondi dans le puits et assez droit et remontant fortement par la suite, ce qui permet un vol stable et une bonne anti-dérive auprès. Je ne sais pas dans quelles conditions de vent ont été prises ces photos, mais ce bateau est prometteur. Souvenez-vous de la Tornade Jacques Vabre 2017. Le trimaran Draken Group, avec à son bord Eric Defer et Christopher Pratt, chavire à l'est des Açores. Les marins sont sauvés, mais le bateau semble perdu. Sauf que, en février 2019, ce qui s'était déjà passé avec d'autres voiliers de course malheureusement abandonnés en mer, s'est produit. On a retrouvé Draken Group qui flottait à l'envers, du côté des Bahamas. Cela prouve que ces bateaux, même s'ils sont dangereux à cause des chavirages, sont assez sécures une fois celui-ci passé, grâce à leur grande réserve de flottabilité, due à tout l'air enfermé dans la coque et le flotteur. En juillet, Eric part pour remettre le bateau à l'endroit, et, surprise, le bateau est récupérable. Par contre, la manœuvre de remise à l'endroit n'est pas simple. Il faut couler l'un des deux flotteurs pour faire un effet balancier, sauf que le bateau est au mouillage à un endroit où il n'y a pas grand chose. Et le fait de remplir le flotteur d'eau ne suffit pas. Ils ont donc rempli des sacs de sable pour faire plus de poids, et c'est au bout de 10 jours que Draken Group a enfin été remis à l'endroit. Ensuite, le bateau a été remorqué jusqu'au port le plus proche. C'est là que l'histoire est belle, car certains auraient sûrement fait déconstruire le bateau et basta, ça coûte moins cher que de faire rapatrier et réparer. Je ne parle même pas de cet Américain qui avait essayé de couler son Imoca en plein milieu de l'Atlantique alors que celui-ci était sûrement remorquable, mais c'est sûrement trop cher. Eh bien, ce n'est pas l'envie de Eric, qui, avec son partenaire Draken Group, cherche d'autres partenaires financiers pour rapatrier et réparer le bateau, pour repartir sur des courses comme la Tornade Jacques Vabre 2021 et un voyage scientifique Yodysseus. Je crois qu'on peut le dire, ce bateau ne voulait pas mourir. Thank you.
Yannick est né le 28 décembre 1972 à Saint-Nazaire. Il commence la voile très jeune, près du bassin d'Arcachon où il vivait. Il commencera la compétition de haut niveau en 1996 avec le championnat de J24. Puis, grâce à une rencontre avec Yves Parlier, il commence la course au large par le mini. À partir de 1998, il fera 4 ans de mini, d'abord en rachetant le Proto 117, avec lequel il finira premier du classement prototype de 1998, puis 5e l'année suivante, où il finira à la 12e position de la Mini Transat. En 1999, il fait ses premiers pas en IMOCA avec Yves Parlier. Il finira en premier de la course de l'Europe sur Aquitaine Innovation. En 2000, il met à l'eau son nouveau Mini 650 qu'il a construit lui-même. C'est le numéro 304. Avec lui, il remportera haut la main la Mini Transat de 2001. L'année 2002 le voit passer sur des bateaux plus gros, avec notamment un rôle d'équipier sur l'Orma Banque Populaire de l'Alou Roquerolles, ou une participation en Mono 50 Open à la terrible Route du Rhum 2002. Celle-ci ne le laissera pas passer, et après 3 jours à cavaler en tête, il est contraint à l'abandon sur problème de quilles. En 2003, il passe en Figaro 2. Il courra le Trophée BPE, où il finira 6ème, puis la Transat HG2R 2004, où il finira 16ème. La même année, il finira 11ème de la Québec Saint-Malo sur l'Hydra Planeur de Yves Parlier. En 2005, il reparticipe au Trophée BPE, puis à la Solitaire du Figaro, où il finira 2ème bisu. Il participe aussi à la Route du Ponant et au Tour de Bretagne à la voile. En 2006, il participe à l'AG2R, la finissant 7ème, puis en 2007, il fera la Transat BPE Belle-Île-en-Mer Marie-Galante et la Cap Istanbul, qui sera sa dernière course en Figaro avant 2010, car il passe en IMOCA pour préparer le Vendée Globe 2008. Il courra la Transat Jacques Vabre, finissant 13ème, puis la B2B où il finira 8ème. En 2008, il finit 6ème de la Transat anglaise, mais elle abandonne à l'aller dans le golfe de Gascogne suite à un dématage sur le Vendée Globe 2008. Dommage, car elle partait sur un Vendée Globe en essayant de produire un maximum d'énergie renouvelable. En 2009, il remporte le trophée SNSM sur le Safran. Dans le même temps, il met en pratique sa formation d'ingénieur pour mettre au point l'hydrogénérateur avec sa société Wattensea. Ce sera un énorme succès car beaucoup de voiliers de course au large l'utilisent aujourd'hui. Et ça se démocratise de plus en plus aussi sur les voiliers de plaisance, même si ça reste assez cher pour le moment. En 2010, il fera ses au revoir définitifs au Figaro 2 en faisant la Transat AG2R, en la finissant à la 11ème position. 2011 marque le début d'une belle aventure en classe 40. Tout d'abord sur le 98, où il finira premier de la Transat Jacques Vabre 2011, 4ème de la Solidaire en chocolat 2012 et 4ème de la Jacques Vabre 2013. En 2014, il réceptionne son nouveau classe 40 tout neuf, le numéro 142, avec lequel il finira 4ème en temps réel, mais 7ème à cause d'une pénalité sur la Route du Rhum 2014. 2015 est l'année quasi parfaite, car il remporte la Lessable Horta et la Transat Jacques Vabre. La seule course qu'il ne gagne pas, c'est la Normandie Channel Race qu'il finit en deuxième position. En 2017, il fait l'acquisition de l'ancienne Initiative Cœur et court la Transat Jacques Vabre avec Quito de Pavan. Ils finiront 5ème. En 2018, il court la Route du Rhum, mais est contraint à l'abandon suite à un problème sur l'hydraulique de la quille. En 2019, il fait l'acquisition d'un foiler qui n'est autre que l'ancien Safran 2, qui a couru avec Morgan Lagravière. Ce bateau, mis à l'eau en 2015, est un plan VPLVP Verdier qui fera une très belle première course en finissant 2ème du record SNSM, puis 6ème de l'Artemis Challenge, mais paiera son manque de fiabilisation comme beaucoup d'autres foilers sur la Transat Jacques Vabre 2015. Elle se finira sur un abandon à cause d'une voie d'eau. En 2016, il finira 9ème de la New York Vendée, 2ème du Défi Azimut et 3ème du Chrono Azimut. Malheureusement, le Vendée Globe se terminera sur un abandon suite à une avarie de Safran causée par un choc avec un OVNI, alors que le bateau qui partage le même moule de coque, à savoir Banque Populaire, remportera cette édition. En 2017, le bateau remporte le Grand Prix Guyader et finira 3ème de la Jacques Vabre. Yannick commencera donc son bout de chemin avec le bateau par la Bermude du Mule Race 2019 qu'il finira 2ème, puis la Fast and Trace en 6ème position, le Défi Azimut en 4ème position et enfin la Transat Jacques Vabre en 11ème position. C'est donc sur un très bon bateau, bien entretenu et bien optimisé que Yannick s'élancera sur le prochain Vendée Globe. On peut remarquer que le peu d'avaries de ce bateau ne sont pas dues au bateau, mais plutôt à des chocs, ce qui est malheureusement de plus en plus le cas. Yannick connaît plutôt bien son bateau, et je pense qu'il peut être mis dans les outsiders, prêt à sauter sur la moindre erreur ou faiblesse des bateaux neufs pour les doubler. C'est un skipper à qui je n'ai jamais parlé, mais il m'inspire la sympathie,
et porte de belles valeurs, notamment en soutenant l'association Écomer, qui est originaire de son port d'attache, c'est-à-dire La Rochelle. On suivra attentivement ce bateau et son skipper, soit en lutte à l'avant ou en lutte avec les autres bateaux de sa génération, dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, je suis aussi sur Twitch. Alors, je fais en fonction de ma connexion internet, qui n'est malheureusement quand même pas forcément top. Ma 4G box de Bouygues, je pensais que ça allait être beaucoup mieux. Et au final, je peux streamer que dans l'après-midi. Donc, surveillez l'après-midi si vous êtes chez vous. Si vous voulez regarder un stream, un jeu et tout, n'hésitez pas à regarder l'après-midi. Il se peut que je sois en stream sur Twitch. Donc c'est Toria, la chaîne YouTube sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller vous follow déjà. N'hésitez pas à aller follow ma chaîne, ça me fera un grand plaisir. Et du coup, si vous voulez m'aider financièrement, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et je m'excuse parce que ça bouge peut-être un peu, mais j'ai pas encore de stabilisateur. Donc là, je tiens au bout de perche, voilà. Je fais avec les moyens du bord pour l'instant. Voilà, et du coup, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.